mesdames et messieurs, soyez les bienvenus en l'église Saint-Jacques et Saint-Philippe de Grendelbruch. La parole est maintenant à Rémi, membre de l'EAP. L'équipe d'animation pastorale de la communauté de paroisse du Mont-Saint-Odile est tout particulièrement heureuse d'accueillir toutes les personnes ici présentes en cette église Saint-Philippe et Saint-Jacques de Grendelbruch pour participer à la messe d'installation de Père Dalmer, nommé curé de cette communauté de paroisse. Dans les circonstances actuelles, nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour que notre communauté de paroisse puisse continuer à disposer d'un curé, pour le « oui » prononcé par le Père Dalmer pour assumer cette tâche, pour le fait que Père Dalmer et Père Alimassi se connaissent et ont déjà collaboré, notamment dans l'accompagnement des jeunes chrétiens de nos communautés de paroisses voisines. Oui, sachons apprécier ce privilège qu'est le nôtre de bénéficier d'un curé dans notre communauté. Père Dalmer, comme vous avez pu le constater lors de notre première rencontre en équipe, nous vous offrons notre confiance, notre soutien et surtout notre joie de vous accompagner dans cette nouvelle mission de communauté fraternelle autour de la bonne nouvelle de l'Évangile. Des échos parvenus depuis le Bischenberg et de la communauté de paroisse du Rosenmeer nous laissent entendre que vous avez de nombreux projets à nous proposer, projets qui s'inscriront dans la continuité des œuvres accomplies par vos prédécesseurs. Puisse votre enthousiasme et votre joie de servir notre Seigneur devenir contagieuses au sein de notre belle communauté de paroisse du Mont-Saint-Odile. Père Dalmer Jérôme Desa, soyez de tout cœur bienvenue. Merci, Rémi. La parole est maintenant au Père Antoine Reusler, doyen de la zone pastorale. Je vous invite à vous asseoir. C'est plus simple. En tant que doyen de la zone pastorale Molsheim-Brusch, j'ai la belle mission, l'agréable mission cet après-midi, de faire lecture de la lettre de nomination du Père Dalmer par Son Excellence Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. Je cite Luc Ravel, par la grâce de Dieu et l'autorité du siège apostolique, archevêque de Strasbourg, au Père Dalmer Giron Desa, rédemptoriste. Avec l'accord de vos supérieurs, je vous nomme curé de la communauté de paroisse du Mont-Saint-Odile, comprenant les paroisses de Hautrotte, Grendelbruch, Börsch, Lingenthal et Mollkirch. Vous serez le pasteur propre de ces paroisses dont la charge pastorale vous est confiée. Selon les statuts promulgués le 21 juillet 2011, vous travaillerez en collaboration avec l'équipe d'animation pastorale et avec le conseil pastoral. Responsable de l'annonce de la parole de Dieu et de la célébration des sacrements, vous serez particulièrement soucieux du bien spirituel et de l'unité des paroissiens qui vous sont confiés. Vous aurez à cœur de susciter parmi les laïcs les collaborations nécessaires en vue de faire pleinement face aux nécessités pastorales d'aujourd'hui. L'éducation chrétienne des enfants et des jeunes, le progrès spirituel des familles seront vos préoccupations dominantes. Enfin, vous serez spécialement attentif
ceux, à tous ceux qui souffrent par suite d'épreuves physiques ou morales. Je vous donne, sur tout le territoire du diocèse, pouvoir d'absoudre hors les cas pour lesquels un mandat spécial est requis, et celui d'annoncer la parole de Dieu en accord avec les recteurs des églises. La présente nomination est valable pour une durée de 6 ans, renouvelable, sauf révocation ou transfert selon le droit ou renonciation de votre part. À partir de votre installation à prévoir en septembre ou en octobre prochain. Comptant sur votre fidélité à l'Église et sur le dévouement, votre dévouement persévérant, je vous exprime ma confiance fraternelle et mes vœux fervents pour un ministère fécond. Strasbourg, le 19 avril 2021. 21. Contresigné par le chancelier de l'archevêché Bernard Thibault. Interviendra maintenant Madame Marie-Odile Saint-Marc, qui est l'animatrice de la zone pastorale. Bonjour à vous tous, ici rassemblés pour l'accueil et l'installation du Père Dalmer Giron. Père Dalmer, vous venez de recevoir la charge curiale de la communauté de paroisse du Mont-Saint-Odile par la nomination de notre archevêque. Cette communauté de paroisse, vous la connaissez déjà un peu, étant prêtre coopérateur depuis septembre 2015, sur la communauté de paroisses voisines. Vous avez même déjà célébré la messe dans cette communauté du Mont-Saint-Odile pour rendre service à votre confrère qui vous a passé maintenant le relais. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous car vous devenez curé. Vous avez d'ailleurs choisi l'église la plus grande de la communauté pour accueillir les paroissiens et vos amis qui se réjouissent avec vous de votre nomination. Quelques mots pour retracer le parcours de celui qui devient votre curé aujourd'hui, Dalmer Julio Giron d'Elsa, que l'on peut appeler simplement Dalmer, est né le 27 juillet 1976. Originaire du sud du Pérou, de la région d'Arequipa, il a 5 sœurs et 2 frères. Lorsqu'il a 5 ans, ses parents profitent d'une opportunité pour aller travailler en altitude à 4900 mètres d'altitude, où ils assurent l'accueil de touristes. C'est déjà pour Dalmer une première ouverture sur le monde et l'envie très jeune d'aller visiter d'autres continents. Dans son parcours, Dalmer va rencontrer des missionnaires venus de Malte, plusieurs fois des prêtres rédemptoristes. Il sera touché par l'un d'eux qui a un charisme énorme. Il a envie d'être comme lui. Il va découvrir la mission, aller rencontrer et partager. Depuis très jeune, Dalmer était servant d'hôtel et avait le désir de devenir prêtre. C'est donc dans la suite logique qu'en 1996, il entre au monastère des Pères Rédemptoristes à Lima. Il étudie la philosophie et la théologie. En 2006, il est envoyé pour une année pastorale à Arequipa. Il y est professeur de religion dans un collège et donne des cours à l'université. Il intervient également dans 2 congrégations religieuses où il assure des cours de Bible et de morale. Il prononce ses vœux perpétuels le 15 mars 2007 et il est ordonné diacre en juillet 2007 à Lima. Le 15 mars 2008, il est ordonné
ordonné prêtre à Arequipa et devient vicaire de la communauté paroissiale de Ayacucho Huanta. Il sera aussi chapelain des sœurs Clarisse. Et puis, 6 mois plus tard, de nouveau une nouvelle nomination. Cette fois-ci, ce sera la forêt amazonienne, avec 66 villages qu'il visitera 3 fois durant les 6 mois de mission. Pour aller à la rencontre des paroisses, il fallait utiliser un petit 4x4 et même marcher, parfois sous la pluie. C'était une expérience intense et inoubliable qui a vraiment marqué celui qui devient votre curé aujourd'hui. Puis de nouveau un appel pour partir en France. C'est le 16 février 2009, l'arrivée en Alsace, dans la communauté des rédemptoristes des Trois Épis. C'est pour lui une nouvelle naissance, avec une culture, une langue et une nourriture différentes. Mais aussi la surprise de voir nos assemblées paroissiales. Il avait l'habitude de beaucoup d'enfants. Il découvre aussi une autre manière de vivre sa foi. C'est d'abord l'apprentissage du français à Colmar, puis les cours à la faculté de théologie de Strasbourg. En 2011, il devient recteur du sanctuaire des Trois Épis et prêtre coopérateur au pied du sanctuaire dans les 6 villages autour d'Amergevire. En 2015, il arrive au couvent du Bischenberg et devient prêtre coopérateur pour la communauté de paroisse du Rosenberg. Depuis 2017, il est aussi recteur du couvent du Bischenberg. Soucieux des propositions que l'on peut faire aux jeunes, il a rapidement rejoint la commission jeune de la zone pastorale et a même accepté d'être prêtre référent du Pélé Jeune pour la zone pastorale Molsheim-Neuchâtel. Et puis enfin, il a aussi répondu oui à l'appel pour devenir votre curé, prêt à entrer dans un chemin de confiance et de service. J'ai bien sûr eu de nombreuses occasions de rencontrer Dalmer et j'ai été touchée par sa fidélité dans l'engagement, son côté direct et bienveillant, et bien sûr son enthousiasme. Père Dalmer est prêtre diocésain, mais aussi disciple missionnaire rédemptoriste. Et un missionnaire va toujours de l'avant pour aller à la rencontre. La rencontre, c'est un mot qui résonne très fort pour lui. Vous l'aurez compris, Dalmer souhaite vous rencontrer, chacun et chacune. Car pour lui, faire connaissance, c'est essentiel. Comme il le dit lui-même, c'est seulement lorsque l'on connaît l'autre que l'on peut l'aimer et si besoin, lui venir en aide. Le soutien aux personnes dans la difficulté et les visites aux malades lui tiennent particulièrement à cœur. Il attache beaucoup d'importance au travail d'équipe. Il est d'ailleurs convaincu qu'il ne pourra rien faire sans vous. Il compte sur toutes les bonnes volontés, celles déjà engagées dans votre communauté et aussi celles qui voudront participer à l'aventure. Père Dalmer pourra déjà bien sûr s'appuyer sur les membres de l'équipe d'animation pastorale, sur Annette, votre coopératrice en pastorale, et je ne voudrais pas oublier le père Marc Steck, qui est maintenant retraité à Molkirch, lui aussi est prêt à rendre quelques services. Rencontrer, se connaître, travailler ensemble et porter des projets pour construire une communauté missionnaire appelée à témoigner. Voilà une belle feuille de route. Il me reste, Père Dalmer, à vous souhaiter une belle mission comme curé de la communauté de paroisse du Mont-Saint-Odile. Qu'elle puisse se construire avec confiance et bienveillance pour rayonner toujours davantage de l'amour de Dieu. Qu'Alphonse de Ligori, le fondateur des rédemptoristes, Saint-Odile, patronne de la communauté de paroisse,
et bien sûr Notre-Dame du Perpétuel Secours veille sur chacun de vous. Merci. Et bien voilà, nous avons fait connaissance avec notre nouveau curé, le père d'Almer. Nous pouvons donc lui confier les clés de notre église, de nos églises. J'appelle Jacques Schroll, président du conseil de fabrique d'Autrotte, qui prendra la parole au nom de tous les présidents des conseils de fabrique. Il sera accompagné d'une servante d'hôtel qui remettra symboliquement la vraie clé de l'église de Grendelbruch. C'est pas simplement la clé de l'Église, c'est surtout la clé de vos cœurs que je vais ouvrir avec vous. Merci. Je l'avais gardé précieusement et je vais l'utiliser. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, il nous est donné d'accueillir le nouveau pasteur de la communauté de paroisse du Mont-Saint-Odile, le père d'Almer Girondezat. Nous avons donc le privilège, dans notre communauté de paroisse, de voyager tout en restant sur place. Nous passons du Congo, d'où était originaire le père Ali Massi, au Pérou, votre pays d'origine, père d'Almer. La communauté qui vous souhaite aujourd'hui la bienvenue compte 5 communes et environ 6750 âmes. Il n'est pas certain que 6750 personnes fréquentent régulièrement la célébration dominicale, en tout cas pas encore, mais vous pourrez compter sur un noyau solide de personnes dévouées dont font partie les membres des conseils de fabrique. 3 défis attendent nos conseils de fabrique. Continuer à créer du lien dans nos paroisses par l'organisation de diverses manifestations. Poursuivre la mission d'entretien de nos édifices religieux et presbytères avec les communes, en sécurisant nos ressources financières. Enfin, assurer la permanence des ressources humaines nécessaires au fonctionnement de nos paroisses. Notre activité ne serait pas possible sans le soutien des communes, propriétaires des édifices précités et qui assurent les gros travaux. À ce titre, nous exprimons notre reconnaissance aux maires et aux équipes municipales qui œuvrent pour la préservation de ce patrimoine et avec lesquels nous collaborons de manière étroite et en bonne intelligence. Père d'Almer, les chantiers sont devant nous et nous espérons pouvoir compter sur votre soutien. Votre venue est une excellente nouvelle. Nous vous souhaitons de nouer des relations solides et fidèles et de trouver un épanouissement humain et spirituel dans cette nouvelle mission. Merci beaucoup à vous tous que vous avez déjà pris la parole. Maintenant, frères et sœurs, nous nous levons et nous rentrons dans cette action de grâce en disant ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette célébration, demandons au Seigneur de changer notre cœur, de nous rendre capables d'aimer comme il nous aime. Pour cela, ouvrons notre cœur, tournons-nous vers lui, accueillons son pardon. Thank you.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Se rassemble dans l'Esprit Saint, sans distinction des races et des frontières. Accorde à ton Église d'accomplir sa mission universelle, qu'elle soit le ferment et le levain dans la pâte, au cœur du monde, pour que toute l'humanité, renouvelée dans le Christ, puisse former la famille de Dieu. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Marie-France. Le prêtre est chargé d'annoncer la parole de Dieu à tous les hommes.
attendons de vous, Père Dalmère, que vous la proclamiez à temps et à contre-temps, à tous, des plus jeunes aux aînés. Dalmère, reçois ce livre la parole de Dieu. Tel un semeur, avec tes frères prêtres et avec tes frères et sœurs consacrés ou laïcs, tu sèmeras cette parole partout, à l'école, dans les familles, dans les groupes d'action ou de réflexion, à l'occasion de la célébration des sacrements, mais surtout le dimanche, quand le peuple qui t'est confié est rassemblé pour l'écoute de la parole. En t'enrichissant toi-même, tu vas nourrir et réconforter tous tes frères et sœurs dans la foi. Cher Dalmère, que la parole de Dieu soit dans ta bouche et dans ton cœur. Et maintenant, pour proclamer la bonne nouvelle à tes frères. Merci. Jean. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Thank you.
lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, dans la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est bel et bien morte. En revanche, on va dire « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu.
dans les paroisses, dans la communauté du Rocher-Mer. J'ai rencontré pas mal de monde, pas mal de personnes. Certaines sont devenues de fidèles suite à une demande de notre évêque. On a rencontré avec mes supérieurs de la chute. On a compris.
confession de foi, j'appelle maintenant Magali. Croyant au milieu du peuple de Dieu qui lui est confié, Dalmer, partage à tous ta foi. Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je le crois. Et vous, peuple de Dieu, ici rassemblés, croyez-vous en ce même Dieu qui a lancé la vie à pleine main, sous la terre et dans les ciels? Oui, nous croyons. Dalmer, crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous, peuple de Dieu, ici rassemblés, croyez-vous en ce même Jésus-Christ qui a rendu l'amour de Dieu présent au monde? Oui, nous croyons. Dalmer, crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Et vous, peuple de Dieu, ici rassemblés, croyez-vous en ce même Esprit Saint et à l'Église? Oui. Oui, nous croyons. Frères et sœurs, les cœurs ouverts aux besoins et aux appels de tous nos frères les hommes, adressons-nous avec confiance à notre Père. Marinette, Sylvie, Antoine et Lisa à s'approcher de l'ambre. De pasteur avec les prêtres qui vont l'accompagner et Annette, la coopératrice de la pastorale. Que tous ceux qui s'engagent au service de notre communauté, que toutes les forces vives sachent les aider et les soutenir dans leur mission. Que notre communauté du Mont-Saint-Odile grandisse et se fortifie dans la foi. Prions le Seigneur. Notre communauté de paroisse a toujours eu la joie d'avoir des prêtres pour annoncer la bonne nouvelle. Nourris par l'Esprit, ils se sont succédés en apportant chacun leur pierre à l'édifice.
Remercions le Seigneur de nous avoir permis de cheminer avec les pasteurs qu'il nous a confiés. Prions pour eux, pour que leur engagement et leur vie dans les pas du Christ soient le terreau de vocation dans nos communautés. Prions le Seigneur. Prions pour tous les habitants de Börsch, Grendelbruch, Klingenthal, Molkirch, Otroth et Saint-Nabor, surtout pour les malades, les personnes isolées et les plus démunis. Qu'ils puissent trouver en notre Église des hommes et des femmes guidés par l'Esprit Saint, attentifs à l'écoute et toujours prêts à les soutenir. Prions le Seigneur. Dans les siens, pour marcher à sa suite et que nous soyons capables de le suivre. Prions le Seigneur. Père Dalmer, vous qui présentez les offrandes de l'Assemblée, signe de sa vie et de ses engagements, afin qu'elle devienne le corps et le sang du Christ, soyez au milieu de nous le témoin du ressuscité, toujours à l'œuvre dans nos vies. Dalmer, Dieu lui-même rassemble son peuple. Mais il t'appartient, Dalmer, de présider ces rassemblements pour présenter à Dieu une offrande pure dans la communion de toute l'Église. Par le pain et le vin, devenant corps et sang du Christ, tu proposeras à chacun la nourriture dont il a besoin pour être la suite du Christ, un ressuscité vivant aujourd'hui et dans l'éternité.
ensemble au moment d'offrir les sacrifices à toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, elles deviennent pour nous les corps. Jésus le Christ, notre Seigneur, au moment d'être libéré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez sans tous, ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
Pardonnez-moi. De confiance, mon frère et soeur. Unissons nos voix à celle de toute l'Église, à celle de Jésus lui-même, osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et ne nous laisse pas entrer
ciel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, cet après-midi, tu nous dis à chacun de nous, je vous laisse, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Pour la communion, il y aura 5 prêtres qui vont donner la communion. Un donnera la communion au servant d'autel, ainsi qu'à la chorale. 2 prêtres ils vont se placer au milieu, et 2 prêtres ici devant. Donc, on va faire en gardant distance et avec beaucoup d'amour.
je vais inviter les membres de l'EAP. On va faire une petite procession avec eux, parce qu'on va se confier à Marie, pour être prêts aussi, pour y aller à rencontrer nos frères. Nous deviendrons des lumières. On va prendre ces lumières de cet hôtel, pour se confier à Marie. Mais aussi, je demande, est-ce que Maëlie, elle est là, ses parents, Lisa? Non, ils ne sont pas là. C'est pas grave. Vous le direz que sa lumière, elle est là, n'est-ce pas? Venez, avancez les membres de l'EAP. Et pendant que nous on va faire la procession, nous chanterons ensemble. Mais je vais entendre chanter à Marie. Je vous salue, Marie. Hein? Nous arrivons maintenant au terme de cette belle célébration. Sont invités maintenant à s'exprimer nos élus. Dans un premier temps, Monsieur le maire Jean-Philippe Caisse, maire de Grendelbruch, qui s'exprimera au nom de tous les maires de la communauté de paroisse et de la Comcom. Suivra ensuite Monsieur le président de la Comcom du Rosheim, M. Michel R. Mesdames, Messieurs, en ce dimanche important pour l'avenir de la communauté de communes des paroisses du Mont-Saint-Odile, je suis heureux de vous accueillir. Père d'Almer, Girondésin, en notre église Saint-Philippe et Saint-Jacques, ici à Grendelbruch. Au nom de notre commune et des membres du conseil municipal, ainsi qu'au nom des maires des communes de Börsch-Digenthal, Autrotte, Molkirch et Saint-Nabor, et de l'ensemble des communes qui relient la communauté de communes des Portes de Rosheim. Je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'une fructueuse ministère. Chers paroissiens, c'est une nouvelle page blanche à écrire qui est confiée à ce jour au Père d'Almer Girondésin.
lui qui succède au père Alimassi, après 7 années passées comme curé de la communauté de paroisse du Mont-Saint-Odile. En tant que serviteur du Christ et de l'Église, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, nous vivrons avec lui les joies, les peines de notre communauté. Il est l'envoyé de Dieu parmi nous pour nous guider dans notre foi et éclairer notre route avec le Christ. En ces temps mouvementés par le Covid, l'entraide, l'amour pour son prochain, la fraternité sont plus que jamais devenus importants. Avec le Père d'Almer, faisons route ensemble. Il saura guider nos pas vers les plus fragiles. Je vous souhaite, Père d'Almer, un fructueux ministère et une belle réussite dans notre communauté de paroisse. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Père d'Almer, chers collègues élus, mesdames et messieurs, un grand nombre d'entre vous vont penser, mais pourquoi le président de la communauté des communes prend la parole dans ce lieu devant vous, à cette occasion de l'installation de votre nouveau curé de la communauté des communes, de la communauté des paroisses, lapsus, de Saint-Odile. Je vous répondrai, demandez le Père d'Almer. C'est lui qui m'a sollicité et je ne pouvais lui refuser. Mesdames et messieurs, chers paroissiens de la communauté commune, encore une fois, de la communauté de paroisse du Saint-Odile, vous avez de la chance d'accueillir Père d'Almer. Père d'Almer, je le côtoie depuis quelques années maintenant. C'est une personne simple, un peu volubile, mais d'une ouverture d'esprit très intéressante et surtout avec des valeurs humaines de partage, et de prêcher la bonne parole, que l'on soit croyant ou non, pratiquant ou non. Le Père d'Almer ne fera pas de différence, il sera à vos côtés sans porter de jugement. Vous allez me dire, c'est son rôle, c'est sa mission, mais il vaut mieux avoir une personne abordable et complice que l'inverse. Père d'Almer, de temps en temps, vous titillera lors des offices. Soyez attentif, parce qu'il s'arrête net, il pose des questions. Et il ne reprend pas s'il n'y a pas de réponse. En aparté, Père Raoul, c'est le duo magique de la communauté de communes, la communauté de paroisse du Rosenmer. En aparté, Père Raoul m'a dit, ouf, un de moins. Non, c'est une boutade, hein, c'est vraiment une boutade. Père d'Almer, sincèrement, vous n'êtes pas loin de la communauté commune, communauté paroisse du Rosenmer. Je ne le fais pas exprès en plus. Donc je suis persuadé qu'on se continuera à se côtoyer amicalement, spirituellement, et vous serez toujours le bienvenu à Rosenheim et dans les communes avoisinantes. Nous avons la chance, comme communauté de paroisse du Mont-Saint-Odile, communauté de paroisse du Rosenmer, forme la communauté de communes des portes de Rosenheim. C'est au moins une chance, et je pense qu'on pourra continuer vraiment à travailler ensemble pour le bien de nos concitoyens, de vos paroissiens, de nos concitoyens. Bon courage, bon vent, et à très très bientôt, et quelle belle, magnifique cérémonie, messe. Continuez comme ça, vous êtes vraiment une belle personne. Merci. Des réponses et des questions, il y en a plein, sûrement. Mais pour cela,
va nous dire quelque chose. Alors j'invite Rémi de l'EAP à s'approcher de Langon. Il va faire des annonces sur la vie de la communauté des paroisses. Durant la période du 4 octobre au 20 octobre 2021, Père Dalmer souhaite aller à la rencontre de toutes les forces vives de la communauté de paroisse. Qu'il s'agisse des conseils de fabrique, des chorales, des servants d'hôtel et de toutes les équipes actives au sein de la communauté, Père Dalmer sera accompagné au minimum d'un membre de l'EAP afin que les réseaux de communication soient pleinement fluides et opérationnels. J'en profite également pour inviter chaque paroissien, quel que soit son âge, à se manifester si elle ou elle, il ou elle veut participer à la vie de la communauté de paroisse. Le calendrier des rencontres ainsi que les invitations pour celles-ci vous seront communiquées d'ici peu. Merci. Merci Rémi pour cette invitation. À mon tour de faire une invitation au nom de tous les conseils de fabrique. Nous vous invitons à un verre de l'amitié. Parce que nous avons la chance d'avoir la météo avec nous, ce verre de l'amitié sera servi juste à côté de l'église, au niveau de la chapelle historique, qui date de 1565, et nous serons heureux de vous y retrouver. Pour gagner cet espace, il sera possible de sortir par l'arrière de l'église ou par la porte latérale. Maintenant, le moment de l'envoi et de la conclusion de cette célébration, qui va nous envoyer vers de grands espaces et de larges horizons. Avant de chanter, nous dirons la prière, n'est-ce pas? Et juste comme je disais tout à l'heure, il y a des questions, il y aura des réponses peut-être. Peut-être pas à toutes les questions, mais on va essayer. Donc, à la fin de la messe, nous sortirons d'abord les prêtres, les servants d'hôtel, les prêtres, pour la porte latérale. Et donc, vous allez suivre et on va arriver au verre de l'amitié. Ça sera le temps d'échange, de questions, de réponses. Mais je voudrais dire, avant de prier ensemble, grand merci à vous tous et toutes. Merci à tous ceux qui sont fait que cette célébration soit une belle réussite, une belle célébration. D'abord pour louer Dieu, pour nous rencontrer. Merci Jean-Luc et les conseils de fabrique, tous les conseils de fabrique. Vous pouvez les applaudir. Merci. Le mois de juin, officiellement, c'était annoncé que Père Dalmer deviendra le curé de la communauté du Mont-Saint-Odile. Tout de suite, la chorale a dit, nous sommes pressés. On va préparer le programme. Quel sera le programme? Merci pour l'efficacité, la confiance, Marlène, et à vous tous et toutes choristes. Merci à l'organiste. Vous pouvez les applaudir. Merci aux servants d'hôtel, la jeunesse. On a besoin de vous. Et nous comptons sur vous pour y avancer et grandir. Oui, bien sûr. On peut les applaudir. Il faut les applaudir. Merci à vous tous et toutes. Merci Père Doyen et tous mes confrères prêtres, mes confrères aussi religieux, rédemptoristes. Merci à vous tous. Maintenant, nous allons applaudir le Seigneur. Vous pouvez applaudir le Seigneur.
Facebook. Beaucoup de patience, beaucoup de courage. Merci beaucoup de prier avec nous et d'être ensemble. C'est une façon de faire communauté, de faire église. Merci. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les merveilles que tu as accomplies dans notre monde. Apprends-nous à discerner les signes de ta présence dans la vie des hommes. Donne-nous assez d'audace pour être la voix des sans-voix. Ouvre nos oreilles aux cris de nos frères et sœurs. Toi qui as choisi les pauvres comme héritier de ton royaume et de aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans